petit mot juste avant votre passage à la mutualité en direct sur France 2. La voiture s'éloigne, il essaie de remonter sur ma moto. On n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu Nicolas Sarkozy ce soir. On ne le verra peut-être pas tout de suite. Pardon de vous poser cette question, mais c'est une soirée un peu particulière, j'imagine, pour vous, puisque votre ancien compagnon arrive en tête. Il fait un meilleur score que vous à la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone ce soir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes nombreux? Mais taisez-vous donc là, devant. Ah oui, parce que moi, quand, si vous laissez les drapeaux levés, je vois plus personne. C'est comme si je faisais une réunion avec des drapeaux. On sait que M. Mélenchon ferait un score extraordinaire. On le voyait toujours en troisième position et aujourd'hui, eh ben, il a la queue entre les jambes, hein, entre les pattes. Hein, on nous signale une intervention dans 10 minutes. Voilà, je vois que vous êtes en train de danser elle-même. Exactement. Voilà, si l'on comprend bien, beaucoup d'ambiance. Vous permettez que je termine, Madame Kosciusko-Morizet. Jusqu'à présent, vous avez toujours été une femme correcte et bien élevée. Tâchez de l'être ce soir. Oui, bien élevée. Ça sera le cas aussi ce soir. Vous pensez l'éducation, on va parler non, ça. Non, au contraire, je vous disais, j'essayais de vous faire un compliment. Mais même si cela, vous ne l'acceptez pas. Martine Aubry, en tout cas, sur les deux ou trois débats, la réponse est claire. Alors justement, vous avez appelé à voter pour François Hollande au deuxième tour. Est-ce que vous allez également faire campagne pour lui? Je crois que vous m'aurez mal compris, ou alors vous le faites exprès. Dans la bonne tradition médiatique qui consiste à faire dire aux gens des choses qu'ils ne disent pas. C'est une simple question. Non, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Donc je vois que vous n'avez rien compris, je peux recommencer. Nous allons battre M. Sarkozy en utilisant l'unique bulletin qui est à notre disposition. Vous en connaissez un autre, monsieur? Bonne participation avec un taux de 52,16% de participation, avec un chiffre de 47,84%. Nicolas Sarkozy à 23,40% des suffrages chute fortement contre 42,63% en 2007. Pour être tout à fait complet, sachez que dans les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, j'aimerais que vous ayez une énorme feuille de cannabis. Non, c'est pas du tout, c'est pas une feuille de cannabis. Vous inquiétez pas, j'ai fait attention. C'est donc une feuille de... C'est une feuille. Cannabis. Ça n'est pas une feuille de cannabis. C'est du chanvre. C'est pas du chanvre non plus. C'est de l'eucalyptus, peut-être. Voilà.